Mais à Varsovie, en 1965, le peintre polonais Maciek s'est lancé dans la peinture au début des années 80, époque où il s'installe à Bruxelles. Il suit alors des cours de dessin et de peinture dans plusieurs académies, une formation complétée par la suite en Pologne. Et si le début de sa carrière de peintre est marqué par une tendance à la figuration, il casse petit à petit ce carcan et opte pour une certaine forme d'abstraction. À un moment donné, j'ai senti que j'étais assez bien sur mes deux pieds. Au moment où je l'ai senti, ma peinture a commencé à évoluer vers une peinture abstraite. Les paysages de Maciek, où se mêlent le soleil, l'horizon, lui-même transformé en montagne, sont l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Suivant son impulsion de départ, fuyant les clichés et les concepts encombrants, l'artiste entame sa toile sans plan ni projet bien précis. Une toile qu'il couvre de traits et de matière, laissant libre cours à son instinct, jusqu'à obtenir certaines formes qui lui permettent d'aller plus loin dans son aventure picturale. Il arrive que des éléments apparaissent directement, parfois ça a besoin de se superposer pendant des mois, et puis à un moment donné, un certain déclic fait que je commence à y voir un certain centre d'intérêt et je continue dans ce sens-là. Mais par la suite, ça peut encore évoluer, se transformer tout à fait, et le tableau peut même être retourné et continuer dans une toute autre direction. Impulsion, lenteur, ombre et lumière, énergie et rêverie, Maciek aime les contrastes dans la vie comme dans sa peinture. Un univers de courbes et de droites qui tranchent, à la fois souple et construit. La peinture de Maciek fait la part belle aux couleurs et à la matière, même si en réalité, elles ne sont pour lui que des outils pour servir l'œuvre plastique. L'artiste enfin préfère l'huile à l'acrylique dans son travail. Il en apprécie le mystère et la sensualité. À Bruxelles depuis 1981. Alors avec lui, c'est vraiment la peinture. Dans cette toile, il n'y a d'ailleurs pas spécialement de modèles à représenter, de paysages. Il ne parle pas vraiment de ses états d'âme, ni du monde. Il a avant tout la fureur de peindre. Et je vous propose tout de suite un petit coup d'œil dans l'atelier.
qui m'a beaucoup plu quand j'ai vu tes toiles, c'est qu'il y a un côté, qu'on sent un côté très, très physique, très spontané. Mais c'est pas seulement ça, c'est pas gratuit. Elles sont aussi très denses, très tendues. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu commences à peindre ? Au début, rien. Je jette de la couleur sur la toile et je la répartis de la manière la plus chaotique possible. Et à partir de ce que me suggère ce chaos, j'essaye de produire une image. Et c'est une façon assez originale de travailler. Je vois qu'il y a plein d'instruments, soit tes doigts, soit pinceaux, soit même un plateau. Donc, tous les moyens sont bons pour fixer pour le premier jet. Et par la suite, j'essaye d'éclaircir l'image, de en quelque sorte, délaguer un petit peu. Oui, de cette magma de peinture, de créer une image concrète et réelle, évidemment que dans le cadre de la peinture. Et pour l'instant, tu es dans ta période soleil, enfin, si je puis dire. Période paysage. Paysage intérieur, quand même. Paysage atmosphère, paysage évasion, paysage aventure. Aucun rapport avec la réalité, quand même. Réalité parallèle. Ça fait combien de temps que tu peins ? 10-12 ans. Tu as peint en Pologne avant de... Non, là j'étais trop jeune, j'ai fait mes études à Bruxelles, j'ai fait des stages en Pologne, j'ai fait des cours du soir d'après-modèle assez complet. Voilà, en tout cas j'espère que cette séquence dans Flip-Clap t'aura donné un petit coup de pouce. Cécile, merci Maciek. Thank you.